Eh bien, salut tout le monde, ici Hydrix09. Allez, bon, bah, ce que je me suis déjà présenté, on va arrêter avec ça. Hein. Donc, on se retrouve ici sur une petite map aventure du nom de Clap the Trap. Je ne connais pas très bien le principe du jeu, enfin, le principe de la map. Je n'ai pas trop lu le truc. Mais à mon avis, comme il est marqué ici, ceci, à mon avis, c'est obligé que c'est les instructions de ce que je dois faire. Bon. Alors, madame, monsieur. Monsieur de préférence, merci. Hein. Vous êtes actuellement emprisonné pour meurtre involontaire. Le tribunal a voté la prison à perpétuité. La direction. Ok, il n'y a pas d'autre truc. Note aux maçons. Note pour les maçons. Veillez à reboucher le tunnel derrière le lit de cette cellule avant le XX du XX du XX. Merci. Donc, en gros... Ah, ben, ouais, c'était voyant quand même assez, hein, du tout, hop, oh. Ben, je vais dire merci le maçon. Allez, hop, on va aller dedans. Un joli petit tunnel pour moi, avec de l'or. Ah ben voilà, ça y est, j'ai trouvé votre paille, les gars. Je vais vous payer comme ça, les maçons. Merci de m'avoir libéré. C'est grâce à vous, comme vous êtes des fainéants. Il y a même du diamant, si vous voulez. Moi, tout ce que je veux, c'est m'échapper. Bon, alors, tutoriel. Bon, on y va, comme je connais pas vraiment le truc. Tu ne peux pas placer ou casser de blocs. Ouais. C'est vrai. Ne pas prendre cette map au sérieux. Ah bon? Tu penses que je la prends au sérieux? Bah, normalement, oui, je pensais. Tu dois bien écouter ce qu'on te dit. Non, mais t'es pas mon père, là. Tu sais pas qui je suis, wesh. Tu vas voir, moi, je vais couper les balayettes. Le panneau, il va te retourner à terre, hein. Il va pleurer. Ne pas tricher. Il n'y a aucun intérêt à ça. Tu crois? J'y réfléchirai au moment venu, hein. Et bon amusement, merci. Tiens, voilà, sans respect. D'accord. Ça, c'est le sans respect du livre. C'est même pas moi qui appuie. Ah, ok. Téléportation accomplie avec succès, lancement de l'accueil chaleureux. Ah, quelqu'un qu'on connaît pas. Bonjour, tu es actuellement dans le laboratoire désaffecté, encore en service. Tu vas subir quelques tests et tu auras une petite surprise. Mais d'abord, allume le courant. Ouais, il fait un peu noir, j'aime pas le noir. J'ai pas du noir. Voilà. En même temps, j'avais pas vu, mais bon, comme c'était le seul levier, hein. Bravo! Ah, je ne me suis pas présenté. Je suis Claptrap. Une petite référence à vous, ça fait quoi, hein? Borderlands. L'intelligence artificielle du labo. Ok, ouais. Franchement, c'est vraiment la référence. Comme je le disais, tu vas devoir passer plusieurs tests pour pouvoir t'enfuir et, entre autres, avoir une surprise. Garde en tête que tu ne peux plus faire marche arrière. Quand tu seras prêt, passe ce portail. Tu franchiras alors les frontières du skill. Yeah, j'en ai beaucoup et je le sais très bien, merci. Du fun. On s'en doute bien, hein, c'est ce qu'on veut ici. Et du troll. C'est sérieux? J'aime pas le troll, moi. J'aime bien faire troller les gens. Mais si tu me trolles, moi, ça va pas le faire. Hein. Bonne chance. Ok. J'espère que j'aurai de la chance. Bon, allez, hop. On va descendre. Coucou. Fais utiliser la caméra. Checkpoint 1. Ok. Question. Alors, quelle espèce est la moins développée? Le chien, la vache ou l'homme? Bon. D'après ce que j'ai vu dans son tutoriel... Il ne faut pas le prendre au sérieux, donc le plus évident serait l'homme. Il me semble. On va essayer. Oh, je suis un beau gosse. Et là, j'ai une grande mémoire. Alors, bravo, tu as trouvé la réponse. Ok, c'est tout. Niveau 2, checkpoint. Ouais, un petit jump apparemment. Ok. Ah, j'ai réussi. Alors, en fait, la sortie est en bas. Hein? Il fallait appuyer sur le bouton au-dessus de l'entrée du niveau. Hashtag love, hashtag cœur. Cœur. C'est sérieux? Ah oui, il y a un bouton là. Oh, j'avais même pas fait de tilt. Ah, bah, c'est là.
Alors, bravo! Oh, ça va, c'était une petite blague. T'es pas drôle, hein? Puis, de toute façon, t'étais prévenu, donc chut! Ok, hein, j'ai encore rien dit, moi. Oh, j'ai des slime balls. Je sais pas pourquoi. Alors, checkpoint. Gauche ou droite? Je serais tenté par la gauche. Parce que, tu vois, quand c'est la droite, pour moi, c'est la mort, donc. Oh, la gauche. Non. Donc on fait non. Bien sûr, je vous ferai des vidéos de 15 à 20 minutes parce que je ne sais pas combien de temps la map elle prend. Hein. Il n'était pas marqué. Ok. Voilà à gauche. Quoi non. Allez, tant pis. YOLO! Ok. Non! Non! J'ai oublié de slime. Bon. Pouah! Oh lolo! Décidément, t'as pas d'humour. Non, non. Il n'y avait pas de bon côté. Ok, bon, ça veut dire que j'ai fait une petite réflexion pour rien. Les deux te faisaient se rôtir dans la lave. Quoi? Arrête de faire cette tête. Tu t'en sors plutôt bien. Pour un grand brûlé. D'accord, j'arrête. Lui, il va vite me saouler, hein. Je vous le dis direct. Par contre, je ne vois pas. Potion de poison. Lenteur et dégâts. Ok. Pourquoi? Bon, allez. Trouve le bouton qui ouvre cette porte. Bon bah c'est lui. Du papier. À mon avis c'est pas lui alors. Là, non. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Là-bas j'ai vu un bouton. Hop. Un livre. Là il y a un livre, il y a un autre. Il fait rien. À mon avis, à tous les coups, il y a un piège. Non, ici, j'ai déjà été. Non, mais checkpoint, je m'en fiche là. Hein. À moins de tous les coups, il y a un petit piège. Salut, caméra. Oh! J'ai dit bonjour à la caméra, il y avait un bouton juste devant moi. Ok. Ah non, j'allais dire. C'est le piston. Alors, bien joué, bien joué. J'avoue que c'était pas si mal. Bon, on arrête avec la déco. C'est beaucoup trop pénible à construire. Je te crois, je te crois. Petit PNJ. Oh, fais pas attention à cette salle. Ces gens ne sont absolument pas les anciens employés qui ont tenté de me contrôler pour que je ne sois pas dangereux. Absolument pas. Est-ce que ça me fait une référence à un autre film que je connais? Je ne sais pas. Bon ben, au revoir hein, les gens. De toute façon, vous faites beaucoup trop plus pour moi. Ok. J'ai eu un stress, j'ai cru comme un malade. Bon, bien, tu vas gentiment faire comme si tu n'avais rien vu et ne pas aller vers mon cœur. Et en échange, je t'offre la liberté. Ça marche? Attendez. Il n'y avait rien en fait, c'était juste du bruit. Bon. Vers la liberté ou vers le cœur? Allez, on cherche les embrouilles, on cherche pas les embrouilles. On va chercher les embrouilles. Hein. On a des tags ici. Téléporteur, vers le cœur. On va chercher les embrouilles, wesh. On sait pas, il sait pas qui nous est là. Il sait pas qui on est. Alors, qu'est-ce que t'as l'intention, l'intention, hein. Clairement, l'intention de faire. Non. Recule de ces boutons. Ne touche à rien. Très important. Lire absolument. Ok. Alors, chers confrères scientifiques, l'intelligence artificielle Claptrap est devenue incontrôlable. Pour garantir la sécurité du centre et de ses employés, il doit être détruit. Vous trouverez les étapes sur la page 2. Donc, étape 1. Vous devez d'abord éteindre son système de refroidissement. Il sera donc vulnérable aux explosions. Étape 2. Allumer le système d'autodestruction. C'est très dangereux, mais c'est notre seule chance. En gros, il faut enlever son système de refroidissement et ensuite le détruire. Refroidissement hydraulique. Ah ah! Tu crois sérieusement que tu vas réussir à me tuer en désactivant mon système de refroidissement? Son propre outil. Donc en gros, normalement j'aurais dû faire. Mais bon. Ouais. Ensuite. Je fais comment? Je passe où moi?
Alors, autodestruction, danger externe, clic. Alors, qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Ah non, fait, non, non, non! Bon, système d'intelligence artificielle détruit. Voilà. Voilà, bon, le nigga là, il m'a téléporté. Ah! Oh punaise! Ah, tu y as vraiment cru? T'es vraiment trop naïf. Jamais je ne t'aurais laissé me tuer aussi facilement. Allez, va dans la déchetterie du labo, voir ton cortex et papy morsaille. Trop fort. Alors, arrête de bouger. Ceci n'est pas un conduit d'évacuation. Ok, donc j'y vais pas. Cortex me demande du charbon. Est-ce que toi tu me donnes des... Allez. Oh, et puis zut, hein. Quoi, tu vas aller dans les coins? Bon, ok, Cortex, désolé. Crash Bandicoot arrivera peut-être pour te tuer. Je ne sais pas. Alors. Accès ingénieur. Oui, c'est un peu noir, hein. En fait, je crois plutôt que c'est un bloc qui est juste devant. Voilà, des lags. Pas très bon signe. Salle de claptrap. Il n'y a rien d'autre? Non? Bon. Ouh, c'est risqué ça. Alors, que quoi? Comment as-tu survécu? Enfin bref, nous sommes enfin face à face. Prépare-toi à subir ma colère. Je suis invincible. Mouah! Tuer Claptrap. Une tête de squelette. Moi j'aurais une tête de wither squelette. À la limite. Argh! Unité Claptrap détruite. Laboratoire de nouveau sans danger. Laboratoire de nouveau sans danger, ok. Merci d'avoir joué. Cette carte a été créée par Death Sweepers. La surprise se trouve à droite. Ok. Ah, ok. En gros, il veut que je fasse tout péter, quoi. En gros, bah, j'aurais duré 12 minutes. J'aurais fait une seule vidéo. Ah bah, vous, ça fait quoi? On va tout péter parce qu'il nous a bien trollé! Tac tac. Hop. Et on fait tout péter. Allez. Salut. Voilà! Voilà! Allez hop! Bon, allez, j'arrive parce que ça me fonctionne. Bon, ok. Je me disais quoi? Ah! Pédobir! Bon, Pédobir, je suis désolé. Mais c'est pour le bien de tout le monde. Tu sais que c'est une nuisance à la population. Tu le sais bien. Voilà, après je m'étais trompé. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Bon, on aurait moitié plus de bière en moins. Quoique, ça va pas. Un village PNJ? Voilà, allez, oh, c'est mon gamin. Voilà, je fais tout. Mais c'était juste pour le petit troll. Alors, ah, c'est la map de départ, ça. Ah, juste à côté d'un village PNJ en plus, hein. Petit PNJ. Tenter une feuille de papier. Oh, chute amortie 3, hein. Bon, sur ce, on va peut-être se laisser sur ce massacre de la carte. J'espère que ça vous aura plu. Bon, du coup, je le fais, ça aura duré un épisode. Je suis désolé. Mais au moins, c'était quand même assez marrant. Hein. Voilà, le petit troll qui m'a fait et tout, et moi je me suis bien vengé sur la carte. Donc ça va. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et bye tout le monde!